Bonjour. Get ready, it's coming. You hunting or you running? Get ready, get ready, get ready, ready. It's coming. It's coming. You hunting or you running? It's coming. Get ready, yeah. Know your enemy. Prepare mentally. Get the sticks and the weaponry. I'm a soldier. My blood is colder. And I'm shutting you down. It's over. I told you. Welcome to the war. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon setup 2021. C'est parti, venez avec moi. Bref, les gars, là, j'ai trop hâte de vous montrer mon setup parce qu'en fait, il faut savoir quelque chose. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui valent de l'argent, certes. Mais en fait, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un, par exemple, qui ne va pas dépenser son argent dans les chaussures, dans les vêtements. Moi, en fait, les gars, là où je dépense mon argent, c'est uniquement dans mon setup. Bref, les gars, venez avec moi. Je vais commencer par vous présenter le Swiffer. Voilà, beau Swiffer. Faut savoir que ce Swiffer est magnifique. Il est super utile. Non mais attendez, j'ai fait mon ménage tout à l'heure avec. Il est incroyable. Alors, il y a plein de poussière. Faut pas que tu touches parce que... Bref les gars, on va commencer par, entre guillemets, le moins intéressant, ce petit meuble que mon père, la dernière fois, il avait accroché. Bon du coup j'ai fait, c'est un peu vide parce que j'ai préféré prioriser l'autre décor qu'on va voir juste après. Alors ici on a le coin un petit peu musique comme vous pouvez le voir, donc défaut AirPods ainsi qu'une enceinte. C'est la UE Boom 2 je crois, ou un truc comme ça. Ici c'est deux petites lumières. Alors c'est très sympa quand c'est allumé ces trucs, par contre le bémol c'est qu'il faut mettre 4 pile dedans. Donc j'en ai pas mis et ça reste en déco comme ça, c'est très sympa. Et petite peluche que j'ai eu où ? À Manigo. Là où les croutons sont partis au ski. Est-ce que c'est intéressant ? Je ne pense pas. Donc là les gars, on passe directement au décor que vous aurez peut-être pu apercevoir en vidéo. Donc c'est un décor très basique. J'ai fait mes achats généralement chez Action. C'est topissime franchement les gars, ça coûte pas cher et t'as des trucs en vrai, ça rend stylé. Qu'est-ce que t'en penses caméraman ? C'est stylé ? C'est très beau. Ok, alors on va directement commencer avec ce petit cadre. Together is our favorite place to be. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Donc, évidemment, nous avons ici un octopus parce que j'ai été community manager de l'une des plus grandes entreprises de France qui vendait des octopus. Ici, on a quoi? On a mini cactus. En fait, dans mon décor, je voulais absolument des plantes. Les plantes, je trouve ça en vrai, je trouve que ça rajoute un petit côté naturel, j'adore. Donc ici, une plante. Bon les gars, je tiens à préciser un truc. Les cactus, c'est des vrais, par contre, cette plante, elle est très jolie, on est d'accord, mais elle est fausse quoi. Mais moi, j'ai pas la main verte, en fait, je fais tout crever. Donc juste en dessous, bon, je vais pas tout vous présenter les gars, mais ici, ah, bah ici, c'est ce qu'on voit, mais avec les guirlandes d'allumées, c'est trop trop stylé, moi j'adore. Ici, on a une petite bougie qui sent, je sais pas ce qu'elle sent, mais elle est pas mal. Donc ici nous avons deux petits cactus, donc dans leur petite maisonnette comme vous pouvez le voir. Ici on a un petit cadeau d'Erwan, un petit clin d'œil à Erwan qui m'avait offert ça à mon anniversaire, c'est une boule magique en cactus. Attends, j'ai envie de capter, mais j'ai trop de cactus. Là ça fait un cactus, deux cactus, trois cactus, quatre cactus. Bah les gars, m'offrez plus de cactus en fait. Ici on a une deuxième petite bougie parce que en fait ma soeur c'est elle qui m'a initié à acheter des bougies. Et en vrai je trouve que ça fait son charme, c'est plutôt pas mal. En tant que gameuse, évidemment, j'étais obligée d'avoir des monsters. Ma position n'est pas ridicule. On dirait que je fais caca. Attends. Ok. Et pour finir dans ce décor, nous avons le petit coin, la Casa des Papels, qui je trouve est très beau. La Casa des Papels. Donc ça, c'est moi qui ai fait le pliage. En fait, j'ai eu l'idée de faire ça la dernière fois parce que je trouvais ça trop stylé. Et enfin, pour finir, on a les trois pop. Donc Moscou, Helsinki et Oslo. Bref, les gars, on en a fini. Oh, putain. Oh, je me fais vieille. Wouh. Les gars, j'ai un projet de dessiner sur ce mur. Genre, je pense dessiner tout le long comme ça. Voilà. Bon, pour ceux qui se disent, mais ouais, j'allais tarer, pourquoi dessiner sur ces murs? Juste regardez un petit peu l'état du mur. Il y a des traces de partout, hein. Mais partout, il y a ça dans toute la salle. Bref, les gars, là, on en a terminé avec le coin déco. Quoi? Bah, Robert? Bah, les gars? Bah, venez. Mais Robert, t'es sérieux?
crois qu'il est dépendant, les gars. Robert, t'es dépendant? Mais Robert, t'es sérieux? De la Monster et des bonbons? En plus, t'as vu comment il est installé comme un boss, là? Il est dépendant. On est vraiment des gogoles. Bon, les gars, en fait, on n'en avait pas du tout fini avec la déco. Il reste un petit coin très sympathique. Déjà, ici, nous pouvons voir un miroir. Là, à première vue, tu te dis, il est stylé, n'est-ce pas? Il vient d'une armoire complètement pourrie. Et pourtant, il est stylé. Ensuite, ici, j'ai des petites cases de rangement. Donc, encore une fois, j'ai mis des plantes. Ça, c'est une vraie. Il faut vraiment que je tienne et que j'ai réussi à m'en occuper. Non, non, mais ça, t'as pas vu, ça? Alors juste ici, j'ai un petit miroir style bois un peu. Au fond, on a un petit peu le coin bibliothèque. Juste ici, voilà. Et sur la droite, on a la PS3. C'est la première console sur laquelle j'ai geeké. Je la garde celle-là, les collecteurs. Et en dessous, j'ai des petits rangements, tout ce qui est YouTube, etc. Puis voilà, une poubelle, c'est très important, effectivement. Bon les gars, là, ça y est, on va enfin passer au concret, au setup, à ce que vous attendez depuis le début de la vidéo, finalement. Si vous cherchez quelque chose qu'il y a sur mon setup, je vous ai tout mis dans la description. Bref les gars, on va tout de suite commencer avec la pièce maîtresse de ce setup, tout simplement un siège arrosé. Bon, en fait, tu peux faire plein de trucs, tu peux régler les accoudoirs, voilà. Tu peux faire un petit dodo. Quand t'es un artiste, la vie c'est compliqué, donc faut se reposer. Bref les gars, on va éviter de tout casser et on va passer au reste du setup, c'est parti. On va commencer tout d'abord par les écrans. Donc ici, nous avons un Philips. Honnêtement, je me souviens plus trop de ce que c'est comme écran, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est en description. Je sais juste que c'est un 27 pouces, mais il est pas ouf, genre ça doit être un 75Hz, 4ms ou un truc comme ça, c'est pas ouf. Par contre, mon écran principal, c'est celui-là. C'est un Acer, toujours 27 pouces. En fait, moi j'aime bien les grands écrans. 1ms, 144Hz. Je peux vous dire que lui, il décoiffe mon coco. Quand t'es en game, t'es le boss. Juste ici, nous avons des enceintes que j'ai reçues à Noël. Les Z337 Logitech, il me semble, je suis pas sûre. Donc ici, nous avons une première enceinte. Ici, une deuxième enceinte. Et tout en bas, nous avons un caisson. Franchement, les gars, c'est de la patate. Ça envoie, mais c'est vraiment top. Ça fait aussi le Bluetooth. Franchement, je vous la recommande. Elle est... Le son est vraiment incroyable. Vous remarquerez au passage la petite qualité du câble management. Et donc ici, ça, c'est pour réessayer. Une petite molette pour régler les enceintes, donc tu montes, tu baisses, voilà. Juste ici, une petite K-Lite Air avec son pied comme ceci. J'en ai acheté deux pour la maudite somme de 250€. Je peux vous jurer que la qualité est incroyable. Genre vraiment, la lumière, ça fait tout. En plus, ce qui est top, c'est que là, vous voyez, elles sont éteintes. Mais à tout moment, je peux juste les allumer, en allumer qu'une, voilà. Enfin, c'est vraiment top, moi j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas présenté? La caméra, c'est une Logitech C920 Pro qui filme en 1080p. En fait, il y a quasiment tous les streamers qui ont ça. C'est vraiment une caméra de base qui vaut pas très très cher. Et elle fait vraiment le taf, genre vraiment elle est exceptionnelle. Donc juste ici, nous avons le clavier Corsair K55. Donc c'est un AZERTY, j'ai galéré les gars à le trouver en AZERTY. Donc la souris, c'est une Corsair Sabre RGB il me semble. Ce qui est top avec Corsair, c'est qu'ils ont une application et tu peux regarder, j'ai réglé la lumière là, enfin, j'ai mis un petit effet arc-en-ciel sur le clavier. Pour finir sur le bureau, j'ai un tapis de souris que ma soeur m'a gentiment acheté pour Noël, t'es la boss. De base il fait des LED sur le tour, sauf que je l'ai reçu cassé. Et honnêtement, en queue noire, eh ben, c'est très bien aussi sans la lumière je trouve. Et donc, on va finir par la bête, celle qui me permet d'être là aujourd'hui, mon PC. Ce PC a une valeur de environ 1000€. Sans un boîtier Aerocool, j'avoue que c'est pas top, surtout pour les composants que j'y ai mis dedans. Mais bon, j'avais plus d'argent, les gars. Je pouvais pas acheter un boîtier de qualité de ouf. Il est très simple. Au niveau de l'intérieur, on peut voir une RTX 2060 pour la carte graphique. Pour le CPU, c'est un Ryzen 5 3600. Enfin bref, je me souviens vraiment plus trop tout dans les détails de tout ce qu'il y a. Sachez que tout est en description si ça vous intéresse. Et sur ce, il me semble que j'ai fini le room tour. Oh ! J'ai oublié le plus important, ce que j'ai dans les mains. J'ai
un micro Bird UM1. C'est aussi un, entre guillemets, le bas de gamme, mais pas trop. Tu vois, c'est pour avoir une bonne qualité de son. Mais quand tu commences, c'est super top. J'ai aussi acheté un filtre anti-pop par-dessus. Bah, j'ai jamais essayé sans filtre anti-pop, honnêtement. Je sais pas si c'est vraiment très utile. Et aussi, évidemment, le bras qui l'accompagne. Le bras pour le micro. J'ai dû l'acheter sur Amazon à pas cher, les gars. J'ai dû prendre un truc à 20-30 balles. Voilà, ça fait l'affaire. Tu le tournes, tu le mets dans tous les sens. Ouais, ça grince un peu. Ça grince un peu, mais en vrai, ça va. Enfin, bref, voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire des petites idées de ce que je pourrais éventuellement rajouter dans mon setup, ce qui manque, ce que je pourrais compléter. Bref, les gars, sur ce, j'ai envie de vous dire, bah rien. Au revoir. Manon. Attends, le fil. Bref, sur ce, les gars, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin, mais nous, ça fait 25 minutes qu'on est en train de tourner. Et sur ce, les gars, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Oh, je suis bien dans l'air. Oh merde. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.